Salut à tous, de retour dans The Division. On s'attaque à l'événement Polarité qui fait son retour dans la saison 9. Alors, regardons un petit peu les défis qu'on nous propose. Ça a l'air d'être assez classique, éliminer des ennemis à polarité positive, négative avec des headshots, éliminer des ennemis à polarité négative quand le buff de dégâts de polarité est activé. Alors de mémoire, il s'active à partir du moment où on élimine des cibles avec la bonne polarité. Il y avait un compteur qui s'incrémentait, on le reverra. Et je crois que c'était limité à 5. Une fois qu'on était à 5, on était... la polarité au buff maximum. Changer la polarité des équipes ennemies de mémoire, ça se faisait avec un coup au corps à corps, donc avec un bouclier, c'est plutôt pas mal. Éliminer des ennemis à polarité positive quand ils sont en feu. Donc là, on pourrait utiliser le lance-flammes, on pourrait utiliser une tourelle, on pourrait utiliser tout un tas d'équipements. Voilà les défis qu'on va regarder. Alors, ne pas oublier d'activer ici le système, hein, sinon vous ne pourrez pas profiter de l'événement. Alors comme je le faisais à l'époque, on va aller au bunker fédéral d'urgence, qui est un niveau assez sympa pour ce type de défi. Alors voilà un petit peu mon équipement, hein, le lance-flammes pour enflammer les gens, le bouclier pour le corps à corps, un petit peu de vie et de compétences. C'est parti. Nous voulons savoir ce qu'est devenue l'équipe qui est partie réparer le nœud SHD. L'abri d'urgence doit se situer sous votre position actuelle. Trouvez un moyen de descendre, mais avancez prudemment. Donc là, je suis pas en positif. Voilà, j'ai le bug. Je recharge, je change en négatif. Les négatifs. Évidemment, il y avait des histoires de headshot. Variation de polarité détectée. J'ai changé sa polarité. Alors, par contre, j'ai pas activé le. L'affichage, c'est une bêtise. Ah, j'ai. Voilà. Continue. Ah, je suis en mode histoire donc y a pas grand monde. Ouais, cet écran, faut pas hésiter à faire W comme ça. Ça s'affichera. Alors donc qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé 5 personnes en positif, éliminé des ennemis à polarité négative avec des headshots, on a loupé la tête. Éliminer des ennemis à polarité négative quand le buff de dégâts de polarité est activé, ça on l'a fait. Changer la polarité des ennemis avec un coup de bouclier, il nous reste donc le feu et le coup du headshot. Nous voulons savoir ce qu'est devenue l'équipe qui est partie réparer le nœud SHD. L'abri d'urgence doit se situer sous votre position actuelle. Trouvez un moyen de descendre, mais avancez prudemment. Je vais augmenter un peu la difficulté. On essaie de choper les têtes. Voilà, lui il a eu sa tête. Alors, on le voit hein, quand on donne un coup au corps à corps, c'est tout le monde hein, qui change de polarité par contre. Ah merde, ça rigole. Quand je recharge. Alors, ce qui est bien, c'est que là mon bouclier il est très, très résistant. Voilà encore pour un headshot. J'ai atteint niveau maximum. Et là on peut signe vitaux critique. Alors le petit dernier, polarité positive quand il est en feu. Attention messieurs.
Voilà. Et ben voilà, on a tout fait. Rendez-vous demain pour les autres défis. Alors bon, je fais pas la mission principale en mode difficile, mais c'est faire une mission classique avec le système de polarité actif. Voilà.